Ouh, plein soleil. M'agace ce bruit de clignotant. J'arrive pas à l'éteindre en plus. Je vais sortir, sinon ça va être galère. Je me colle là dans un petit recoin. Alors, je vous explique. Oui, donc on avait rendez-vous à Vendôme, une cinquantaine de kilomètres de chez nous. On va manger, on est dimanche en fait. On mange à la pizzeria. Il est 19h. Oui, j'ai ouvert ce vlog assez tard pour différentes raisons. Déjà, je vous ai dit hier que j'étais pas en grande forme. Mon état commence à m'inquiéter, très sincèrement. Il s'est passé un truc. Attendez. Je me mets ici, j'ai l'impression que ça va être mieux au niveau du vent. Oui, donc je suis envoyée en même temps la voiture, hein, parce que c'est ouvert. Ce qui se passe, c'est que je prends la pilule depuis un mois et demi, une pilule qui doit arrêter hein, tout saignement. Enfin, tout, voilà, je dois arrêter mes règles pour tout ce qui est migraine. Et ça fait deux jours que j'ai mes règles, donc c'est pas normal, ça veut dire qu'elles ne fonctionnent pas. Et surtout, je suis pliée en deux, j'ai extrêmement mal au ventre et j'ai très peur. J'ai très peur que le fameux kyste qu'on m'avait détecté il y a un an ait fait des siennes, vous voyez ce que je veux dire? Donc demain je prends rendez-vous en urgence. Je ne supporte plus les bruits de mobilette, très clairement. Je ne supporte plus, surtout le soir, avec cette chaleur, tu es obligée de laisser la fenêtre ouverte. Ah, je suis là bébé! Tiens, il est là-bas, bon. Tu le vois? Non, c'est pas ça, c'est fermé. Ah si, c'est ouvert, c'est bon, la dame rentre. Voilà. Le gars, tu l'as appelé il y a 5 minutes pour dire on arrivera plus tard et t'arriverais, le mec il sera fermé. Il serait fermé. On arrive. Donc ils vont nous rejoindre. Hein? Ah, le prix de l'immobilier. Ouais, pour ça, si on s'installe ici. Si on s'installe ici. Bonjour monsieur. Centre historique. Alors, de Vendôme. Quel est le prix? 500 000. 500 000 euros? Non, Vendôme Centre. Oh, mais c'est voir les mètres carrés et tout ça. Ah, oh, ça m'a l'air vachement grand, regarde. Oui, non, mais là, c'est des. Non? Oui, ils vendent pas des trucs pour des gens. Ah. Ah, ça, moi, je veux bien, par contre. 75 000, ah oui, mais c'est un petit 3 pièces, un appart. Donc c'est à louer, ça? Non, c'est pas à louer, 75 000. Ah non, j'ai rien dit. C'est pas à maison de ville, allez. Voilà. 173. 3 minutes du la gare TGV, 173. C'est pas si cher. Hein. Attends, il y a 700 mètres carrés de terrain. Non, c'est pas cher. Hein. On a repéré un petit bar lunch là-bas. La prochaine fois, on ira. San Martino. J'aime beaucoup l'entrée. Elle était pas prioritaire, hein, la nana. Non, arrête, il n'y a même pas besoin de discuter, c'était une conne. N'importe quoi, hein, de m'agresser comme ça. Là. Mais on les attend, ou on rentre? Regarde, ils sont juste là. Ils sont où? Là. 4, on a réservé en extérieur. Merci. Mmh. Ah, c'est bien, vous faites les pailles en. C'est bambou celle-ci, non? Oui, non. C'est ça. T'as pris quoi, toi? Alors, moi j'ai pris ces raclettes. Je vous ai dit, j'ai pas mangé rien ce midi. Tu peux la prendre devant toi? Non, non, ça c'est pas la mienne, mais quand même, putain, elle est belle. Caramel, nougat, c'est ça? Ouais, meringue. Meringue. C'est beau. Ça fait deux fois prendre la base. Ça fait un peu de temps. Ouais, ça a l'air très bon. Tu contrastes un spectacle? Ouais, vas-y. Tu sais que je mets bien ma chemise derrière avec mon petit t-shirt et tout. Vite! Vite! Allez! Putain, vite! Ils sont persuadés qu'on est partis sans payer. La petite blague du soir. Il est allé payer discretos. Et ouais, c'était bon, mais la banana split à chaque fois, je regarde à moitié. Je voulais aller me promener un petit peu pour digérer, Eric. Non, non. Tu veux pas, vraiment pas? Non, je suis pas bien, moi. Il reste combien? 50 km? Voilà, non, on a pas envie. Peut-être que j'enlève mon masque, en fait. T'as cru qu'on s'était barré comme ça sans payer? Non, mais qu'on avait zappé de pied, des fois tu sors comme ça. Oh, ouais. La blagounette ouais. On va faire la petite balade, parce que là, je me vois pas encore assise à... Pendant 50 minutes, au moins digérer 2 minutes. C'est beau. Maintenant. J'aime les lampadaires. Nous sommes rentrés à la maison. C'est moi qui ai conduit parce que j'ai pas bu. C'est pas qu'il a bu, il a bu de verre, mais bon, t'as vite fait. Hein. Et ça a été mon ventre. En même temps, je suis à 6 passe-fonds par jour.
Ça a calmé. Par contre, demain matin, première heure, j'appelle. Donc, je vois soit mon médecin, soit pour avoir des bouts gynéco, soit s'il n'y a pas urgence gynécologique, il ne faut vraiment pas que je traîne parce que là, c'est juste anormal. Sinon, c'était très bon, on a bien mangé, banana split. J'ai pas complètement digéré. Ce vlog va être... Je suis désolée pour le... Oui, il fait la fête parce qu'on est rentré. Pour l'ombre portée sur mon visage, je vais le combiner avec la journée de demain parce que je pense que là, on doit être à 5-6 minutes. Ce qui forcément n'est pas assez. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous et demain matin pour moi. Salut. Alors, petit déj, viennoiserie. Merci Eric. Je me pose ici. Ce matin, il faisait frais, ça faisait longtemps. C'est pour ça que j'ai la robe de chambre. Je pense que je vais l'enlever parce qu'il recommence à faire bon. Je surveille du coin de l'œil. On a un Jackie qui est tout fou, qui est en train de sauter partout. Alors, déjà, concernant ce que je vous ai dit hier soir et ce que je devais faire, téléphoner, donc je l'ai fait, je vous en parle juste après. Je me suis à un moment donné posé la question, est-ce que c'est judicieux ou pas judicieux, je sais pas, de vous parler de tout ça. Et est-ce qu'on peut parler de tout sur YouTube? Donc non, on peut pas parler de tout sur YouTube, on le sait, soit pour question de censure, soit parce que c'est lors du privé ou du très privé. Mais là, en l'occurrence, je trouve que... déjà, ça fait partie là de mon quotidien, ce que je vis, et ça peut potentiellement soit aider d'autres personnes qui sont dans le même cas, soit ça peut orienter. Enfin bon, c'est vraiment des échanges. Mes vlogs, je veux que ce soit ça. Donc, oui, j'avais envie de vous en parler. J'ai donc appelé, mais ils m'ont dit « Ah non, il n'y a pas de gynécologue. C'est que 3 fois dans le mois que tu as la chance d'en avoir un, donc super. » Et y a des sages-femmes, mais les sages-femmes, c'est très très bien. La dernière fois, c'est une sage-femme, moi, qui m'a consultée, elle a été super. Donc j'ai dit, bien sûr, m'exposer mon problème. Elle m'a dit, ah, effectivement, ce genre de pilule contraceptive, surtout quand tu le commences. Moi, je rappelle, c'est progestative uniquement, micro-dosée. Elle m'a dit, ça peut, durant du début que tu prends jusqu'à 6 mois... Soit tu peux avoir des règles anniversaires, soit ça peut carrément s'arrêter comme ce que ça devait, soit ça peut pendant 15 jours, tu peux saigner. Mais donc ça m'a rassurée. Elle m'a quand même dit que ce qui était anormal, c'est les douleurs. Ça par contre, c'est à surveiller, parce que je suis quand même à 6 passe-fonds par jour et la douleur est toujours là. Sachant que j'ai quand même il y a un an, on m'a dit que j'avais un kyste, donc en espérant que ce soit... On pensait que c'était fonctionnel, mais c'est peut-être organique, c'est-à-dire qu'il est toujours là. Quand c'est fonctionnel, c'est qu'il est là, il va, il vient en fonction de tes cycles. Mais si c'est organique et s'il a grossi, on avait peur que ce soit une rupture du kyste ou, attention, là j'aime moins, petite grossesse, parce que forcément, si la pilule, c'est qu'elle fonctionne peut-être moins, parce qu'elle est micro-dosée. Donc tout ça pour dire que, elle m'a dit, ce qu'on va faire, c'est que 48 heures, pour voir si j'ai toujours ces douleurs, si au bout de 48 heures, donc je ne prends pas de médicaments pour vraiment évaluer la douleur, si au bout de 48 heures j'ai toujours ces saignements, ces douleurs, il faut que j'aille aux urgences gynécologiques pour faire un examen et qu'on contrôle tout ça, évidemment. Donc je vais continuer à faire ma petite journée normalement. Hier soir ça a été, cette nuit ça a été, je veux dire, ce matin ça me picote par moments si je fais quelques mouvements. Et on va voir. Voilà ce que je vous disais. Donc là, il était sale parce que juste avant, évidemment, il était en train de faire le guignol sur la chaise. Là, t'as repéré quelque chose. 15h40, je me suis un petit peu habillée quand même parce qu'après, on doit sortir avec Eric. J'ai mal là, ça y est. Je suis à deux doigts de craquer, de prendre des... Parce qu'en même temps, c'est moi. Hein. C'est pas la sage-femme qui m'a dit il faut pas les prendre. C'est moi qui veux tester, mais bon. Je vous ai pas dit non plus. Si jamais je dois aller aux urgences... gynécologique, c'est même pas ici, c'est à 50 km à peu près. J'ai craqué. Il n'y a plus qu'à attendre une demi-heure, 40 minutes. Ça se calme et après on bouge. Montre comment t'es mignon. Oh, et gentil garçon. Il a la capacité à s'endormir en 2 secondes. Mais il dort jamais vraiment. Voilà, il est toujours en surveillance, on sait jamais si maman elle met la croquette, si il y a quelqu'un qui rentre. C'est ça, hein, qui se passe dans ta petite tête de Jackie. On a atterri à la déchetterie pour désencombrer un petit peu toute notre entrée. Je suis épuisée, j'aurais dû faire une petite sieste tout à l'heure. Des fois, ça m'aide. Désolée, bébé, de pas t'aider, hein. Non, il est bon. Je suis de tension et anémie, c'est sûr, c'est sûr. Nous sommes rentrés. Non, je vous montre pas. On a pris quand même pas mal de trucs sympathiques. Hein.
je vais m'occuper des surgelés déjà. Je suis au bout du rouleau. Non, c'est bien. Oh non. C'est grave quand même. Hein. Regarde, j'ai pris pour faire des fish and chips. J'y regarde parce que quand on est dans les supermarchés, je sais pas si c'est pour vous aussi, mais il y en a un qui cherche des trucs. Quelle clé ? Je sais pas. Mais... Voilà. Il a pris ça pour faire sa tambouille, nettoyer la courette. Vous savez, il y a des traces de rouille et avec du bicarbonate, de l'eau, je pense que ça devrait marcher. Ça, parce que je trouve que notre cafetière, elle s'entartre trop rapidement, donc toujours en avoir. Au fait, c'est vous hein, qui aviez raison, qu'on pouvait en trouver ailleurs que chez Jardin. Vous avez souvent raison, hein, d'ailleurs. Allez, moi, Jackie, maman va faire tes petites toilettes. 7h10, je vais terminer maintenant ce vlog. Je vous explique parce que demain... Je pars demain matin. Et il faut absolument que le vlog que vous êtes en train de regarder, je le monte maintenant, ce soir, que de façon à ce que demain matin, je n'ai plus qu'à appuyer sur uploader. Je vais faire également la miniature. Voilà, tout est dit. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain. Salut. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout.